Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfunk pour un nouvel épisode du Witcher. Épisode 55 des ghouls. Des ghouls, c'est ultra ghoul. C'est ghoulayant les ghouls. C'est ghoulu. Allez hein. Allez. Oh, la petite valse hein. Je l'appelle la danse du Necker. De Black et Necker. Excellente blague. Ma meilleure blague depuis Boost Diouf Lumière. Le racisme a de beaux jours devant lui. Horrible. Yes, formidable. Donc mon trésor caché. Nous ce qui nous intéresse c'est le trésor caché. Ghoul. Moi je mise sur ghoul. Moult de cadavrerie. On va laisser sortir mon couteau fumier. Pourriture socialiste. Ah ah. Ça m'a l'air bien caché. Hmm. Ça m'a l'air fort bien caché. Ah, on sort pas assez souvent du pouvoir télékinétique atteint celui-là. Lisons cette page. Alors, lisons un peu, parce que c'est vrai que je ne lis jamais rien. Note froissée, des soldats sont venus. Je ne saurais dire s'il s'agissait des nôtres ou des leurs. Cela n'a plus guère d'importance. Je les ai entendus chevaucher sur la route. Je me suis caché et j'ai verrouillé la porte. Ils n'entreront peut-être pas. Ils ont passé la nuit à tuer et violer. J'ai tout vu à travers les fentes dans le mur. Je me suis mordu le doigt jusqu'à l'os pour ne pas crier. J'ignore si quelqu'un d'autre a pu se cacher. Peut-être pas. Je les ai vus traîner en toche. Il s'est caché dans les champs, près de la meule de foin où il avait mis ses affaires. Ils l'ont fouetté. Ils m'ont entendu. Ils savent que je suis là-dedans. Je n'ai pas ouvert quand ils ont tambouriné. Je pensais qu'ils allaient mettre le feu pour me faire sortir, comme ils l'ont fait avec ceux qui se cachaient dans le grenier. Après, ils se sont mis en selle et sont partis. Tout est calme à présent. Je n'entends plus que les mouches voler au-dessus des corps. J'ai tenté de défoncer la porte, d'ouvrir la fenêtre, de creuser un tunnel, de faire un trou dans le mur ou le toit, mais rien à faire. J'ai entendu des gens venir dépouiller les cadavres. Je me demande ce qu'ils ont pris. Il ne me reste que des chemises et des chaussures souillées. J'ai appelé à l'aide. Ils n'ont pas répondu. À présent, il n'y a que les ghouls qui viendront. Alors, moi je veux pas faire le mec. Mais t'as une torche, t'as du foin, t'as des trucs et des machins, ta porte. Bon, j'ai pu l'exploser ta porte. Mais au-delà de ça, admettons, bah tu prends ta torche et tu la glisses entre les barreaux, tu laisses le feu comme ça ronger le bois. Voilà, et tu enlargis ton espace, même si ça brûle ou ça brûle pas ton bois, c'est pas la question. Mais ça va consumer suffisamment la partie qui est en contact avec la torche pour petit à petit permettre de creuser dans le bois. Tu noircis, tu fragilises ton bois. Ben voilà, tu fais des trucs quoi. Tu te laisses pas mourir. Enfin bref, t'es con. T'es con, t'es mort, Jack. Bon, il reste encore à trouver le magot ceci. Ah ouais, un orage, il manquait plus que ça. Ah ouais, j'avoue, il manquait plus que ça pour la vidéo. Et hey, mince. J'allais dire qu'il va falloir qu'on prenne un repos bien mérité. Formidable. Il n'y a rien d'autre dans ce bled moisi. Ah si, tiens. Allez hop. Prenons encore quelques rayons de miel. Intéressant. Encore. Formidable. Je prends. On
Ça c'est formidable. Un bateau pour Skelly, je l'ai toujours pas. Hein. C'est toujours pas une quête qui nous intéresse, rien du tout. Donc rien d'intéressant à cet endroit-là. Hein. C'est quand même. Non mais formé avec des quêtes principales nulles. On pourrait toujours rester sur parler au chaman. Toc 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 toc. Ou alors. Ok. Donc normalement je dois avoir le droit de la récupérer je crois actuellement. J'ai dû faire couler 7 jours sans trop de problèmes normalement. Normalement encore une fois ça fait beaucoup de normal. À base de normalité normalisante. Ok. Alors je tiens à préciser comme d'habitude hein, je viens gaming, que tous ces épisodes sont évidemment tournés à l'affilée. Genre par tranche de 10 quasiment. Campement de bandits, super, de la distraction. Chic 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 des robins. Le zouk, le zouk, le zouk. Le zouk, le zouk. Amenez-vous. Vous amenez pas, j'arrive. J'avais pas vu qu'il y avait un baril là, désolé les gars. Ah. Je l'aurais vu, je serais pas resté à côté. J'aurais l'air moins con. Le tien pour dit. Jolie fourrure donc ceci dit. Hein. Joli joli. Oh, un peu de convivialité, je vous prie. Toujours. On voit bien que les paysans s'aperçoivent qu'il y a des trucs à loot. Bon, des fringues de clodo. Une peau d'ours. D'ours déjà tendu, c'est très pas mal. Oh, bah, y a quand même des trucs. Hein. Putain, le coffre était plus intéressant que celle de ma cachette secrète. Alors que les mecs ont pas de niveau, quoi, comme d'hab. Oh, ça doit être des noyères, ça. Ouais, oh, inutile de s'y aventurer, c'est pas nécessaire. Ah, ils sont là. Ouais. Après on peut faire une petite boucle hein. On peut se faire genre. Ah oui lui il est là-bas. On peut genre aller là, remonter ici, faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça pour finir là en fait. Non c'est chiant, allez on va là-bas. Ah blette. Oui donc ma blette. Ma blette. On y va. Perte d'endurance, c'est formidable. Il est temps de sauvegarder. Pouvons-nous combattre ces Necker avec 2 PV? Bonjour les Necker, j'ai 2 PV. À vous de jouer. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là, hop là. Il me restait au moins 8 points de vie. On avait une marge de ouf. Allez, j'ai mal. Très mal. Je sais même pas si je gagne de l'XP à tabasser ces cons. Quoi? Ah, ça c'est une gueule ça. Ça c'est une autre mayonnaise. Aquatique. Hop là, je suis un expert en créature. Hop là, la petite marche arrière. Oh, c'est de la boum bébé. C'est de la boum. Hop là. Approche-toi si tu l'oses. Sorcière. Mâcheté. Et tu es moche. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire un kiki. Pardon, je me suis fait plus d'heures. J'ai pas regardé le niveau, j'avoue, je tape dessus, je m'entends.
Arrête-toi de faire le con 3 secondes. J'essaie de lui faire d'en faire un vieux nobillon tout claqué en termes de roleplay, c'est horrible. Mais c'est horriblement génial. Comme la dernière fois, je jouais à Original Divinity Sin 2, j'avais envie de reprendre mon nain de Nalbuck. C'était vraiment incroyable. Mais j'ai pas fait ça. Si je sors un let's play en 800 épisodes là-dessus, les gens vont venir. Faisons tout de même une méditation, jusqu'ici, admettons. C'est bien, on voit quelque chose, c'est ça appréciable. Bon. Hein? Ah merde, du coup ils sont partis les Black et Decker. Merde alors. C'est un orqueur, c'est pas une guenonne. Ah si, c'est une guenonne. Oh, viens ici. Mais c'est du niveau 8 ça, pourquoi ça m'a éclaté? Yo. D'avoir plus qu'un niveau 8 là. Oh, c'était les monstres du Random Fest, ils ont disparu parce que j'ai fait couler le temps. C'est-à-dire qu'ils sont là le matin à 9h mais après ils sont plus là. Oh, attends. Bah, écoutez, hein. J'ai quand même pété une guenode. Hein. On dira que j'ai eu ma guenode. Des créatures impies, on appelle des déserteurs. Oh, j'ai misé bon du premier coup en plus. C'est beau ça. J'ai pris un taquet là. Sorcellerie. Le mec il se balade en culotte là. C'est quoi ça pour toi? Pour toi, c'est quoi ça? Hop là. Hop là. Hop là. Oh. J'ai beaucoup aimé ta façon de mourir, Jack. Dravik, je peux savoir à quoi tu joues? Qu'est-ce qui te prend de laisser traîner le trésor sous les yeux de tout le monde? Tu crois peut-être qu'on est les seuls bandits de la région? Con comme tu es, je préfère te rappeler que non. C'est pas le cas. Alors tu vas me faire le plaisir de tout ramener vite fait et de planquer tout ça quelque part où personne d'autre que toi et moi ne pourra le trouver. Sinon je te tâte le cul jusqu'à en faire du cuir. Let's go. D'accord, faut que je chasse le trésor. Oh là, mais attends, ça peut aller à côté ton histoire de trésor là. Moi ça m'arrange pas, c'est pas à côté. Hein. Quoique, tu me diras, j'ai pas prévu de rester beaucoup plus longtemps dans la région. Parce que normalement j'ai bouclé avec ça. Fais-moi voir ça. Oh non, ça coûte tout. Oh non, c'est bon. Allez, meublettes. Soquons les Artibus. Juste pour aller jusqu'au rocher. Au galop, Ablette. Ouais, je vais y aller moi, hein, c'est chiant sinon. Allez. Et ben voilà. Caché au bout de tous. Voilà, voilà. C'était bien, hein? J'aime bien les choses au trésor, toujours simple. J'aime, c'est décidé. Non, je ne veux toujours pas aller à Skellige. Je vais aller récupérer ce qui me revient de 3. Contrat de sorceleur, c'était par là. Voilà. Est-ce qu'il y a un village? Ouais, on peut aller à Lurche. Ouais, on va faire demi-tour, on va aller à Lurche.
Ah, on va d'abord pouvoir passer là. Parce qu'on a vu qu'il y avait des bestioles tout à l'heure. Ça tombe bien, en allant à l'Urch, on va se dépouiller une bestiole ou deux. Il reste bon ce jeu quand même. Ouais, ça reste une très grande leçon de jeu idéal. On a quand même le loup dans les arbres et tout. Qui est différent hein, selon l'intensité du temps. Bien sûr. Un cannibale. Tu es mon premier. Sors. C'est pas ton jour de chance. Oh, vas-y, 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 sors. Tout le monde veut voir ce combat contre un cannibale de niveau 3. À ce genre de bestioles dans la région. Ah, convivialité! Parce que tu les as butés, mais t'as pas eu le temps de les manger, le cannibale. Du coup, ça traîne par terre là, il y a les mouches dessus, non, c'est dégueulasse. Non, parce que tu manges des êtres humains, certes, on dira qu'on est en guerre. Mais quand même, laisser pourrir le sang qui coule, tout ça. Faut retirer le sang, hein, sinon ça pourrit, hein, c'est pas bon. Hein. C'est pas bien, hein. Faut pas garder ça comme ça. Il y a une biquette décédée là. Parce qu'il y a une biquette décédée ici. Il y a un peu de loot vite fait par là. Convivialité, il faut que les gens aient envie de se mettre à cas ici. Voilà. Voilà qui ravive la flamme de l'espoir. Ok. Ici. Non mais faut que je m'y téléporte. Le marqueur on s'en fout. Nous y sommes. C'est parti. On va peut-être claquer une save maintenant qu'on est là. D'ailleurs ils sont fort jolis je trouve ces marais avec toute leur machin traînière. Rose trémière, je crois. Ouais, c'est ça. Avec leur rose trémière. Quand tu fais beau, ils sont plutôt jolis. Oh c'est très rigolo. Vas-y, noyeur, donne tout ce que t'as. Et tout ce que t'as. Et tout ce que t'as. On regarde mon disco. Là. Petit là. Attends, le monstre stupide. Des noyeurs. Hop là. Ah, et ouais, ça va, et... Ah bah la hitbox, ça va. Ouais, y'a pas d'abus, hein. J'étais à côté, hein, quand même. J'ai déjà tout déglingué, parce que...
Sorceleur. Bonjour. Où est mon argent? Tenez, voilà. Deux fois la somme, comme promis. Vous voyez, je tiens parole. Oui, cette fois-ci. Enfin bon, merci quand même. Et adieu. Le sorceleur, le pire connard, quoi. Genre, le mec, c'est quand même fait chier à raquer. T'as encore une quête? Ne me frappez pas, merci. C'est terminé. Ah, il s'est plus. C'est bon, c'est fini. Non, on veut toujours pas aller à Skellige. C'est vraiment... c'est non, en fait. C'est non, par contre, on peut aller voir le vieux, maintenant. Voilà. On peut aller voir le Vioc. Ça, ça marche. Alors, le Vioc, certes, mais... faut que je me rende jusqu'à un panneau, parce que là, sinon, c'est chiant. Voilà. On tourne au panneau au milieu du marais. On va se refaire une armée de noyeurs. On arrive. Ça manque de bestioles, de grenouilles, de je sais pas, de serpents, de ce que tu veux quoi, mais. Ça manque de bestioles, je trouve. Il n'y avait pas de monstres. Bon, je sais pas, en forêt, un petit cochon quoi. Ça vient comme idée, moi. Des lapins et des biches. Mec, il mange du sanglier, c'est un roi. On va pas dans la région. Des porcs. Cette grotte là aussi elle a jamais été faite, soi disant. C'est une entrée. Bon. Alors on va à Noirfutet. À Uente. Évidemment. Toi, paysan. C'est pour acheter ou farfouiller? Montrez-moi ce que vous. C'est pour te vendre des choses. Je sais que tu vends de la merde. Ouais, de la bonne grosse merde. Achète donc. Ah. Il est probable qu'il faut que je change, qu'il soit nécessaire de changer d'épée. Aussi. C'est pour s'en situer. Arrêtez de me filer du 2 là. Non mais l'autre il a plus de thunes. Il te reste assez de thunes pour acheter un gourdin. Voilà. Achète-moi mon gros gourdin, wesh. Je sais pas, achète un poisson. Excellent. T'as pu acheter qu'un poisson. Adieu. C'est horrible. Ah, je saute dessus. Inventaire. Donc on a dit qu'il était temps de changer d'épée. Ouais. Carrément. Carrément. Putain, elle était cool l'autre. Hein. Oh là là, regardez-moi ce style de couteau là. Bon, on part sur du fer classique. Et le temps de changer de paire de pompes aussi. D'ailleurs, attends, le temps de changer de pompes, certes, mais on peut les runer. On part sur un petit couette. Ok, très bien. Un deuxième marchand. Ouais, ça se peut complètement. On se fait d'abord un forgeron. On se fait d'abord un forgeron. Parce que ça peut coûter cher en réparation. Ça. Allez, forgeur de boulons. Merde, je te mets un peu d'éclairage. Je vais forger dans le noir. C'est pas top. Hein. Hein. Ah, il a l'air très occupé, le monsieur. Pourquoi? Parce qu'il doit être trop tard. Non, bah, non, il est midi. Allez, go à l'aube, hein. Ouais. Ok. Ouais, mais plus 12, c'est pas ouf. Alors que ça, c'est ouf. Ça. Ça c'est Thug. Ça c'est Thug. Pourquoi t'as une carte là que je ne sais pas, c'est très étrange, je ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Et donc de Skellige, ouais, mais on s'en fiche. Hein.
Ah, on peut... Les schémas de kit de réparation. Allez, vas-y. Bon, on commence à être un peu blindé, on va acheter quelques conneries. Hein. Il y a un moment donné, la tradition veut un peu qu'on achète des conneries, je crois. Parfait. On va te vendre cette paire de bottes nulle. C'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est... Mais c'est ce que je viens de t'acheter. Je vais t'acheter une lame parce que je suis un couillon d'abruti de ses morts. Or j'ai la lame équipée qui est mieux. Je suis débile en fait. Ok. Dans tous les sens, qu'il ne rachète pas évidemment, il rachète pas de poisson, les crades, les machins. Moi j'ai vendu la tête de griffon au passage, hein, par accident. Ouais, artisanat, je pourrais te vendre une masse de trucs. Ouais, t'es trop riche, faut que je te vende tout. Allez, je te vends tout. Ouais, je vous en crie au scandale, faudrait que je craft en vrai. Moi je m'en fous, ça n'a aucune importance de craft. Tu peux tout acheter auprès d'un forgeron. Autant pour un herboriste, je comprends, c'est chiant parce que tu peux pas acheter les choses auprès d'un. Quand tu craft, bah quand t'es en alchimie, alors pour ces crétins là. Adieu. On est bon. Très bien. Si elle est dégagée, nous pouvons donc nous rendre. Auprès du vieux chaman. Il veut dire chamalégoum. Chamalégoum, chaman. Ah, ah, ah. La meilleure blague depuis. Insérer blague raciste. Chaman. Loup blanc, loup sage. Quels sont vos désirs? De la coque. J'ai trouvé le corps de votre père. J'ai dû le brûler. Vous avez bien fait. Il serait revenu me hanter, c'est sûr. Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous tué votre père? C'était un homme mauvais. Le chaman vivait dans la peur autrefois. Mais plus maintenant. Ce que son père infligeait à sa mère, le chaman ne pouvait même pas regarder. Alors, il lui a fendu le crâne avec une hache. Il l'a jeté dans les marais. Mais les gens savaient. Le spectre ne reviendra plus. Merci, sorceleur. Tenez, voici votre récompense. Et si un jour vous avez besoin d'herbe ou de remède, le sorceleur... Je vous ferai un prix d'amis. Superbe. Est-ce que tu vends des chips? Loup blanc. J'ai besoin. Alors. Je te prends la torche, on sait jamais. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que je vais racheter des plans que j'ai déjà. Et genre là-dedans, je crois que j'en ai un. Gni, ouais. Je crois que j'ai déjà Gni en fait. Et ça coûte vachement cher pour avoir... Bah, pour pas se planter quoi. Les gens du village ont besoin de lait ou bien. Et si okay. J'avais. Alors c'est la sorte. Revoir. On s'en fiche, hein. Adieu. Au revoir, William. Je dépouillé ta maison. Ouais. Je suis un homme sage. Salut la dédicate.
Bon, c'est bien, on a un nouveau vendeur, bon, qui est nul par rapport à notre sorcière. Du coup, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Non, mais Skellige, on veut toujours pas voyager à Skellige, là, c'est vraiment... C'est vraiment la quête dit voyage par là-bas. On n'a pas envie. La route vers Skellige, ça ne branche pas de ouf. Hein. On pourrait se faire toute la côte hein, ici. Hein. On n'est pas... On a toute une côte à faire où on se dit justement qu'on avance un petit peu sur par quête en fait. J'ai envie de faire un peu de quête. J'ai envie de me dire go contrat de sorceleur à portée de main. Voilà. Hop, carte du monde, c'est où ça? Il faut se rendre à Perchefreux. Bah, très bien. Rendons-nous à Perchefreux. Salutations. Ouais. Il paraît que vous avez un problème avec un monstre. Un hurleur, c'est ça? Ouais, il rôde dans le coin. Il boulotte les vaches et les chèvres. Et il attaque même les hommes. L'autre jour, Borzoï, le chasseur du vieux seigneur, l'a pris un coup de sang et s'est mis en tête de le tuer. Il a pris sa hachette. Et il s'est caché à l'entrée des champs pour lui tendre une embuscade. On l'a retrouvé les tripes à l'air, et pendu aux branches d'un arbre comme une guirlande. Ça nous a pris une demi-journée pour retrouver tous les morceaux et l'enterrer. Je sais que les temps sont durs, mais à ce prix-là, je ne peux pas accepter. Allez, donne-toi, Billy. 260 balles. D'accord. Je veux bien faire un effort. C'est vous qui allez risquer votre peau, après tout. Exactement. Je crois qu'il est temps qu'un professionnel s'occupe de votre hurleur. Quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur cette créature? Ouais, Simko, le fils de Borzoï. Il a vu le monstre de ses propres yeux, mais... Il est pas bien bavard depuis la mort de son père. Il est sous le choc, je crois. Je vois. Où est-ce que je peux le trouver? Chez moi. Sa mère est morte depuis longtemps, alors j'ai pris le garçon sous mon toit. Wow, wow, wow. Qui est donc ce l'autre que je ne possède pas? On ne devrait pas. On doit garder espoir. Ça a l'air d'être un bug, ça. Quand je serai grande, je serai un garçon. Qu'est-ce que ça? Ses cheveux sont blancs. On peut parler? Fichez-moi la paix. Calme-toi. Je veux simplement... Fichez-moi la paix, j'ai dit. Ça va, je suis Nif gardien. Je veux venger ton père. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir ce qui l'a tué. C'est le hurleur. Personne vous a dit ça? Si. Mais ça ne m'aide pas beaucoup. Tu veux bien me le décrire? Me dire à quoi il ressemble? C'est... comme un coq. Mais très grand. Et... Et avec une queue de lézard. J'ai entendu le chien aboyer, alors j'ai couru voir ce qui se passait. Et là, j'ai vu papa avec un trou dans le ventre. Il avait mal, il criait. Et moi, je voulais l'aider, mais je savais pas quoi faire. Là, tout va bien, du calme. 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 Prends soin de toi, mon garçon. Voilà.
Pourquoi négocier avec les gens alors qu'on peut leur endormir le cerveau? Excellent. Oh là là. C'est vraiment joli. Bon, allons retrouver cette bestiole. Pour conclure. Ils se sont fait défoncer comme une putain de navire. Ok. Pourquoi la putain de sorceleur? Où est-ce qu'il sort? Je le saurais. Si ça t'intéresse, t'as qu'à aller lui demander. Juste à côté, bande de blaireaux. Yes, donc on se disait. Dirigé par là, quoi. Son museau est couvert de sang. Il a chèrement vendu sa peau. T'as un bon toutou. Les empreintes deviennent irrégulières. Le monstre s'est mis à tituber. Il était sans doute blessé. Une plante. Sans aucun doute que c'était formidable. Du sang. Celui d'un monstre. On va taper une sauvegarde ici. J'ai plus de traces. C'est un nageur. Ça, c'est un genre de compétition. Son museau est couvert de sang. Mais non, j'ai déjà trouvé. Il a chèrement vendu sa peau. Oui, non, mais ça, on sait. J'ai suivi tes trois traces toutes claquées. Me dis pas qu'il est pété, le Bob. Ah si, il est là. Ok, il est là. Je l'ai. Les traces conduisent à la caverne. Un Cocatrix. Un Cocatrix. Comment ça, sauvegarde impossible? Non, tu peux sauvegarder là. Ouais. Alors, dans Donjons et Dragons, comme vous le savez, on aime bien vous claquer des Cocatrix dans la figure. Et bien que ce soit un gros poulet, c'est très dangereux. Bon, est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière? Parce que je vous ai pris des torches pour ça. Hein. Comment une bombe? Ouais, si tu veux. Libérons un nuage empoisonné. Magnifique, ma chère, oui. Maintiens clic. Comment je vise déjà? Comment vise-t-on? Actuellement, je pense que... C'est armé pour le balancer.
sort pas. Bah, ouais. J'ai d'autres bombes. Ok, c'est chiant. Pause méditation. On va méditer dehors, hein, je reviens, ça va regarnir des explosifs. Je vais faire ça comme un escroc, et alors ça va être parfait. Hop là. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est bien ça, en fait c'est, ouais, c'est mes gâchettes qui commencent à déconner. Accéder à hauteur, non, d'aucune manière que ce soit. Ok, ok. Maintenant, c'est qui va avec ça? C'est raté parce qu'on voit Zub. Ah, mais je peux pas. En fait, je suis ultra saoulé. Elle me gonfle la blessure là. Hein. Là qu'elle me gonfle là. Encore des bombes? Ouais, parfait, ouais. Mon sens de sorceleur, quoi. En fait, c'est chiant ce qu'il te dit en bas. Utilise ton sens de sorceleur, mais tu peux pas. Putain, je comprends rien, c'est tellement chiant. Merde, il n'est pas là. Il a dû trouver une autre sortie. Vite. Je dois le rattraper. Ben, trouver l'autre sortie. Le voilà. Là, cette fois, je vais lui régler son compte. En fait, on se bat comme un basilic, c'est ça? C'est exactement ça. Ok, mais en teigneux, hein. Teigneuse basilic, par contre. On a quoi en deuxième grenade? J'ai mis à tous les ennemis situés dans un rayon d'explosion, affiche une quantité de dégâts de feu et ça détruit les nids de monstres. Excellent. J'ai pas repris mon truc, super. Ah ouais! Ça me fait aussi des petites quantités de dégâts, ça. Comment il assomme et tout. Oh bien. Efficace, hein, le coin augmenté. Hein. Allez, sors le petit couteau. Voilà, parce qu'on a tous le même. Hein. Les bandits, tout le monde. On a tous le même. C'est l'opinel de son univers. À part qu'il l'appelle le pineur, je sais. Bon, c'est une autre culture. Hein. C'est une autre culture. Non, c'est pas le surnom de Gérald. Excellent. Je dors lui. Non, c'était pas ça que je voulais. Je voulais la carte du monde. Je
je pourrais retourner ici voir justement si on trouve la fameuse grotte en surplomb. Est-ce que j'avais la grotte du bas là, celle que moi j'avais trouvée. Il est censé y avoir une grotte genre par ici. Ralentissons l'allure. Sauvegarder, on ne sait jamais. Ça va être inaccessible, c'est ça? Ok, il y avait un coffre que j'ai déjà récupéré. Ouais, le bug! D'accord. Ok, donc la bestiole est censée émerger de là-dedans, je suppose. Moi, je peux pas y accéder, évidemment. Ça aurait été trop beau. C'est donc un leurre. C'est un leurre cinématique, cinématographique. C'est une catastrophe d'utiliser ce genre de technique malsaine. Salaud, ça fait chercher les mecs comme moi pendant des plombs basses. C'est hop. Hein? Alors je suis pas au bon endroit. Oh bah non. Si, si, complètement. Bah viens-moi ça. C'est un petit téléportation jusqu'à Perchefro du coup. Allez go pour la téléportation. Ok. Prends l'endroit parfait pour une méditation. Salutations. Ouais, j'ai eu ton poulet. Le hurleur ne vous embêtera plus. Merci, sorceleur. Voilà votre récompense. C'est pas grand chose, mais comme on dit, un tien vaut mieux que deux tendras. Ah, je peux être gentil. Gardez l'argent. Avec un orphelin à nourrir, vous en aurez besoin plus que moi. Et ils disent que les sorceleurs, ils sont pas humains. Merci, sorceleur. Merci. Du fond de mon cœur. Trop généreux avec toi. On m'a pas dit que vous avez tué la bête qui nourrit les gens. Ah, merci. Ah, j'ai chargé la bloc, les mecs. Et ben voilà, comment se conclure magnifiquement cet épisode, je pense. Hein. On va pas se mentir, hein. C'est une belle conclusion. Des contrats de sorceleurs, faut être plus grand. D'après ce que me dit le jeu. Ah non, ça va, il y en a encore. Niveau 6, quoi. La disparité dans la taille des contrats, quoi. T'as du niveau 6 à côté, t'as du 35. Oui, oui, certes, certes. On fera ça. On fera ça une prochaine fois, dans une prochaine vidéo, parce que c'est l'année prochaine, quoi. Ok. Ah, c'est du côté en plus où on a tout bouclé à peu près. Ah, sauf ici, visiblement, on n'est pas allé là, on n'a pas tout explos. Ah oui, je vois. Ah oui, c'est là où tu passes le pont pour ralentir reculer, non, c'est ça? Je sais plus. Bon, on verra bien de toute façon. On verra bien. Je vous remercie, c'était Knarfork sur Canal TV pour le flash. Flash dans les yeux, le flash dans les yeux pour l'épisode 36. La 56. C'était l'épisode 56 de The Witcher 3. Il faut plus rien.